Foutio, on est là, t'es prête à y aller? On a encore plein de choses à préparer pour l'anniversaire de Maxwell. Hé, tu m'entends? Elle n'est pas ici, on dirait. Je suis là. Mais tu te caches ou quoi? Qu'est-ce que tu fais derrière ce buisson, Foutio? Vous m'avez trouvé. En ce moment, j'apprends des jeux au scuba, comme moto perché ou cache-cache. Vous voulez jouer à cache-cache avec des tout petits robots? Bien sûr que je vais jouer avec vous. Ligne est plus tard, d'accord? On a rendez-vous à la cabane. DJ et Lou ont déjà commencé à tout installer. Oh, l'anniversaire de Maxwell! J'avais complètement oublié. Allez les scuba, à vos places. On continuera à jouer plus tard. On se dépêche, on a une fête à préparer. Joyeux anniversaire, Maxwell! Joyeux anniversaire, Maxwell! On va tout préparer pour la soirée. T'as pas le droit de regarder, d'accord? D'accord, les enfants. Promis, je vais garder les yeux fermés. Ça va? Même pas mal. Ah, cool! Wow! Wow! Super idée, le tapis musical! Oui, c'est le tapis musical le plus... Super génial! Et vous avez encore rien vu? Ah ouais! J'adore! Vous avez fait un super travail pour la décoration. Et c'est pas tout, il faut que je vous montre le stand photo. Allez, venez, essayez. Wow. Oh. Non, j'ai vraiment une tête comme ça. Oui, t'as vraiment une tête comme ça. D'accord, d'accord. Et sinon, qui veut bien être le DJ de la fête? Moi? Eh, c'est pas parce que je m'appelle DJ que je vais forcément être un bon DJ. Bon, d'accord. Yeah! Oh, yeah! Hey! Bon, si, en fait. Tu vois, on savait que tu serais parfait. On a aussi besoin de bonbons, de boissons et de... Oh, Loup, dis-moi, t'as commandé le gâteau, j'espère. Hé, c'était quoi ce bruit? Un ballon s'est gonflé tout seul. Il a explosé, ça a fait pom. Ah oui, sérieusement, il s'est gonflé tout seul, comme par magie. Oui, et il a fait pom. Je savais pas que vous aviez des ballons qui explosent tout seuls. C'est bon, tout va bien, les amis. C'est juste Toute qui a éclaté un ballon. C'est pas vrai, j'ai rien fait du tout. Mais si c'est pas moi qui l'ai éclaté, c'est forcément quelqu'un d'autre. Oh, regarde.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles d'un ami invisible? Non, non, j'ai pas dit que c'était mon ami. Mais il est invisible et il fait du bruit. Dommage, j'avais un ami invisible il y a pas longtemps. Il s'appelait Bobilou. Bah, Bobilou. C'était un ami imaginaire. Oui, peut-être. Mais dans tous les cas, j'espère qu'il est heureux aujourd'hui. Libre et son gâteau. Salut les amis! D'habitude, je ne livre pas les gâteaux, ils tombent trop facilement. La moindre petite poche peut les... Et voilà, j'allais dire les faire tomber et boum, ils tombent. Oh non, c'est pas vrai, le gâteau de Maxwell! C'est en train de tourner à la catastrophe! Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai senti quelque chose filer devant moi à toute vitesse, mais j'ai pas vu ce que c'était. C'est parce que c'est une moto invisible. Alors, vous me croyez maintenant? Elle a peut-être raison en fait. Si ça se trouve, elle a vraiment un ami invisible qui essaye de gâcher la fête. Je t'ai déjà dit que c'était pas mon ami, Ricky. Si tu as raison, on doit tout faire pour l'arrêter. Sinon, il va casser tout ce qu'on a préparé. On va pas le louper. Alors ça y est, vous me croyez maintenant? Eh bien oui, on dirait bien. On te croit toutes. Allez, tous ensemble les amis, on tape les roues. Ouais, c'est parti. Il est en train de s'enfuir. De le revenir. Dans tous les cas, on met leur gomme. Oh là là, on va quand même pas jeter ça. Je vais le manger pour ne pas gâcher. C'est l'heure d'aller faire dodo.
qu'on a attrapé l'ami de Toot, on doit vite faire le ménage et tout remettre en place avant le début de la fête. Oh, c'est une catastrophe. Oui. Le pire, c'est les feux d'artifice. C'était la grosse surprise. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oh, les Scoobops pourraient peut-être nous aider. Tu as une idée derrière la tête? Ça y est, je peux ouvrir les yeux. Je me suis assez cogné pour aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Vous avez fait tout ça pour moi? Les autres invités vont bientôt arriver, mais on avait trop hâte de te montrer. Tiens, regarde ça! C'est une petite surprise qu'on a préparée rien que pour toi, Maxwell. DJ? Ça valait bien quelques bosses sur la carrosserie. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Aucune idée. C'est la première fois que je vois ce genre de choses. Je parie que ça vient du fin fond de l'espace. Oh oui! Oh, s'il vous plaît, faites que ça vienne du fin fond de l'espace. Mais non, c'est juste ma capsule temporelle. Hein? Mais c'est encore plus excitant. Ça veut dire que ça vient du fin fond du futur. Non, c'est une boîte dans laquelle on met des objets qu'on adore et ensuite... on l'enterre. Comme ça, personne ne pourra regarder ce qu'il y a dedans. Ah oui, je connais. Des années plus tard, on l'ouvre et on ressort des objets qui nous rappellent plein de bons souvenirs. Exactement. On l'a enterré avec Bunker quand on était jeunes. Wow, ça devait être il y a super longtemps alors. Ben, ouais. Wow, mais t'as pas du tout changé. Merci, Ricky. À part que t'étais beaucoup plus jeune. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'intérieur? Mon vieux couteau suisse répare tout. 10 outils en un, pour tout réparer, on a tour de pince. C'était nul. Oh. Et le premier sifflet de l'agent Bunker. Il n'a pas servi depuis très longtemps. Hey, j'ai une super idée. Oh, vous allez adorer. Nous aussi, on devra enterrer une capsule temporelle. Oui. Vous n'avez qu'à utiliser la mienne, je vous la donne. Hey, c'est fou, Ricky vient d'avoir la même idée que moi. On va chercher ce qu'on va mettre dedans. Et vous? Oh, Zouzou. Oui, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur? Attendez, on va filmer la scène. J'ai choisi mon plus beau trophée. Je l'ai gagné dans un concours de cascade. Je suis arrivé premier en faisant ça. D'accord, génial. Suivant. J'ai choisi de mettre une clé dans la capsule. Hein? Parce que j'adore les outils. Suivant. J'ai choisi de mettre mon rôle doudou. Je l'ai eu quand j'étais petit, mais maintenant je suis trop grand pour ça. Je suis plus un bébé, je suis une vraie motosécouriste. Je vais mettre cette vidéo à l'intérieur et on la regardera tous ensemble quand on sera grand. Et voilà, on a terminé. Parfait. Où est-ce qu'on va l'enterrer? Mes parents vont bientôt goudronner un parking. On pourrait l'enterrer là-bas. Et boum, excellente idée. Elle sera bien protégée sous le goudron. Ouh, enterrer. Dans un parking. Génial. On va faire ça après le déjeuner. On se retrouve là-bas. Ils sont partis d'un seul coup. On dirait qu'ils veulent laisser faire l'eau. C'est qu'un roule doudou, ça ne me manque pas.
manque absolument pas. On a passé des moments fantastiques tous les deux. Ah, Zouzou! Oh. Oh non, Zouzou! Je peux pas te laisser là-dedans! J'ai besoin de récupérer mon rôle doudou! Oh. En fait, j'ai changé d'avis. Je préfère mettre mon vieux klaxon à la place. Ouais! Ce serait génial dans la capsule! Je veux dire, si je ne l'avais pas déjà enterré. Oh, tu as fait quoi? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir. Je suis quasiment sûre d'avoir caché la capsule en face de nous. Je me souviens très bien de cette pierre. Attendez. Non, je me souviens très bien que c'était pas sous cette pierre, mais de l'autre côté vers la barrière. C'est justement là que j'avais décidé de ne surtout pas l'enterrer. Loupe, tu pourrais pas être un peu plus précis? Désolée, je vais essayer. Ah, ça y est, je me rappelle. Je l'ai enterré près d'un morceau de bois à côté d'une pierre et pile en dessous d'un nuage en forme de roue. Oh non, le nuage a disparu. Oh. Allez, venez, on va continuer de chercher. D'accord. Regardez partout, tu te rappelles rien? Nous voilà, nous voilà. Laissez passer les rumbleurs. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Quelle question! On va commencer à goudronner le parking. On ne reste jamais sans rien faire, même le dimanche. Non, non. On doit d'abord rapporter le reste du matériel. Comme je dis toujours, il n'y a rien de plus beau que moto boulot dodo. On pourrait s'aider de la Zoom Cam. Zoom Cam, action! Je n'aurai
J'aurais jamais cru que tu me manquerais autant. Ok, c'est une cata. C'est une catastrophe. Oui, comme tu dis, on a dû percer un tuyau. On a fait une grosse bêtise, les amis. L'eau va finir par inonder le terrain. On va trouver un moyen de boucher le trou. Oui, je suis d'accord. Mais avec quoi? Oh, Zouzou, je suis vraiment désolée, j'ai pas le choix. Merci, Ricky. Est-ce que ça va, Ricky? Zouzou n'aurait pas hésité une seule seconde à faire ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à s'occuper de la capsule temporelle. J'ai trouvé où va l'enterrer! Entre ce brin d'herbe là et ces cailloux minuscules. Et surtout, sous ce grand nuage qui ressemble à une moitié de banane. Oh, loup! Monsieur Klaxon, tu vas me manquer. J'oublierai jamais tout ce qu'on a fait ensemble. Bon, et ben, vu qu'on a fait des trous partout dans le terrain, on a un peu de travail pour le remettre en état. Ça y est, c'est le dernier. On a enfin terminé. Laissez passer l'équipe des travaux. Comme je dis toujours, la belle vie, c'est deux fois moins de dodo et trois fois plus de boulot. Vous avez fait un travail formidable pour boucher les trous et aplatir le terrain. Attention, chaudement. Hey, Ricky, j'ai une petite surprise pour toi. Une surprise? Nous avons réussi à reboucher le tuyau d'eau avec autre chose. Hein? Merci, Madame Grumbler. Vous n'aurez pas de devoir à faire aujourd'hui. Allez, à demain, les enfants. Oh, doucement, ce n'est pas une course. Ça ne va pas, Madame Baikli? Oh non, ce n'est rien, Ricky. J'ai emprunté cette clé à Maxwell pour réparer la fontaine à eau et j'ai oublié de lui rapporter. Il m'avait demandé de la lui rendre coûte que coûte à 3 heures au plus tard. Et là, quelle heure est-il? Il est 3 heures. Oh mince, il faut que je me dépêche. Je suis le meilleur quand il faut se dépêcher. Je peux aller la livrer? Oh, c'est vrai, si tu pouvais le faire, ce serait vroomtastique. Je suis aussi le meilleur pour être vroomtastique. Bon, c'est parti pour une livraison super méga rapide comme l'éclair. Allez, vroom! Oh, je devrais prendre la clé. Pourquoi Ricky est si long? Qu'est-ce qu'il fabrique? Désolé les amis, pas le temps de m'arrêter, je vais chez Maxwell. Vroom! Oh non! J'allais de quel côté? Maxwell, tiens, voilà ta clé. Thelma, tu es de retour. Thelma? Oui, je donne des prénoms à tous mes outils. Elle, c'est Thelma la clé. Mais tu viens de finir l'école? C'est une livraison super rapide. On ne m'appelle pas Ricky Zoom pour rien, pas vrai? Attends, tu viens de me donner une idée. J'ai toutes ces pièces détachées à livrer. Tu pourrais peut-être t'en occuper pour moi. Mais, et Monsieur Oupla, c'est lui qui prend tes livraisons d'habitude. Il est déjà très occupé aujourd'hui et ça doit être fait avant l'heure de la fermeture. Et quand a lieu la fermeture? Eh bien, normalement, quand mon compteur de journée de travail se sera éteint. Son prénom, c'est Timothée, mais je l'appelle Tim. Il y a vraiment beaucoup de colis à livrer. Mais le service de livraison super rapide des As du Guidon va s'en charger. Allez, je vais prévenir mon équipe. Vroom,
fantastique! On a enfin notre propre service de livraison! Il fallait bien que ça arrive! Mon père et mon frère travaillent déjà comme livreurs depuis de nombreuses années! Alors voilà, maintenant c'est mon tour! J'ai noté toutes les adresses de livraison dans ma tablette. Et j'ai calculé les chemins les plus rapides. Parfait! Alors, par où est-ce qu'on commence? Notre première livraison, c'est pour mon père et ma mère. Ils sont sur la place centrale. Scoop up, action! Allez, vroom! Tu ne nettoies plus aussi bien qu'avant. Hier, j'ai commandé une brosse toute neuve. J'espère qu'on va la recevoir dans peu de temps. Oh, oh, pile au moment où on en avait besoin. Oh, oh, oh. Alors ça, c'est une livraison dans les temps. DJ, on s'arrête ici. Loup, récupère le prochain colis. Tu vas prendre un raccourci. Pour l'instant, tout se passe bien. Réussis à faire, Loup. Allez, roule. Double booster. Action. Aujourd'hui, impossible de réparer ça tant qu'on n'a pas reçu les boulons commandés chez Maxwell. Oh, si seulement on pouvait nous les livrer maintenant. Oh, je ne m'attendais pas à les recevoir de cette manière, mais au moins on les a juste à temps. C'est formidable. Oh, si seulement on pouvait aussi me livrer un sandwich. Bon, j'aurais essayé. Au travail! Personne ne livre aussi vite que le service de livraison super rapide des As du Guidon. Je n'ai aucune raison de me presser. Je roule tranquillement sur la route. Bonjour, Don. Quelle belle journée. Ah ouais, la journée ne peut pas être plus belle. C'est ce que je dis tout le temps. Et d'ailleurs, je viens de le dire. Est-ce que tu as un colis pour nous? Ouais, et dessus c'était marqué fragile, donc je l'ai transporté dans un emballage spécial en papier bulle. Je dois toujours le garder hors de portée de Loop. Oh. Allez, boum! Regardez, Tim le compteur, le temps file à toute allure. Wow! Oh, 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 oh. J'en connais qui sont pressés. Bon, tiens, ça c'est pour toi, Hélène. Je crois que je ferais bien d'aller voir s'ils ont besoin d'aide. Le dernier collier est livré. Youhou! Vous avez déjà fini? Incroyable, vous êtes allé très vite. Vous avez réussi avant la fin du temps. Ouais, c'était assez facile. Oh, je vais juste faire une petite sieste. J'ai besoin de me détendre les poules. J'ai des courbatures partout. Scuba, massage. Papa! Salut les astuces,
Notre nom complet, c'est le service de livraison super rapide des As du Guidon. Oh, sympa ce nom. Il m'en faudrait un comme ça. Bon, à part ça, je crois que vous êtes allé si vite que vous avez perdu ce colis en route. On en a fait tomber un. Il est adressé à Madame Buckley. On doit lui apporter de toute urgence. Ouais, mais il faut que tu retiennes ça, Ricky. C'est super de faire le travail rapidement. Mais le plus important, c'est de le faire correctement. Vite fait, mais bien fait. J'ai compris. On n'a plus beaucoup de temps. Bon, allez, super vroom. Scootio, c'est quoi la route? Tu vas tout droit, tu traverses le pont et tu tournes à droite. C'est parti. Allez, vroom. Il faut que j'aille encore plus vite. Je devrais peut-être ralentir. C'est plus important de travailler correctement. Mais on est le service de livraison super rapide des As du Guidon. Travailler vite, c'est travailler correctement. Le service de livraison super rapide des As du Guidon arrive. Comme prévu, c'est une livraison dans les temps. Eh bien, il n'y a pas de doute, c'est rapide. Mais je ne pensais pas recevoir mon colis à cette hauteur. Hein? Oh, il est en train de glisser. S'il tombe de là-haut, il risque d'être abîmé. Attendez, je m'en occupe. L'eau ne va pas le louper. Double booster, action! Mince, je suis allé un peu trop fort. Scuba, action! Il n'arrive pas à l'atteindre! Oh. Ricky! Prends ça, c'est mon emballage spécial en papier mule! Ah. Wow! Amorti les chocs, c'est assez pratique. Merci, monsieur Hoopla. Voici votre colis, madame Buckley. En bon état et au bon endroit cette fois. Oh, regarde, Ricky. Oh, désolé, on est en retard. On aura essayé. Non, ce n'est pas grave, Ricky. Je suis contente de le recevoir en un seul morceau. C'est le service de livraison super rapide des As du Guidon. Le travail est toujours bien fait. Mais c'est l'emballage spécial en papier bulle de mon père. Je dois vraiment le garder hors de portée de loupe. Ouais.